Pépé, je vais te poser une question. Comment tu peux faire ça à ton oncle? C'est pas ton grand frère, à ton oncle. Comment tu peux rendre ce père? Bah, tu disais souvent sur Facebook que tu rendais les gens teubeux, mais le vrai teubeux que tu as rendu sur Facebook, c'est ton grand frère. Mais comment tu peux faire ça? Mais ce n'est pas possible. À Pépé, tu. À Pépé. À Pépé. Mais ah, comment tu as fait pour rendre le père si teubeux comme ça? Moi, j'essaie d'observer. Non, je te jure. Ah, c'est vous qui écrit. C'est pas normal. Comment, Pépé, comment tu as fait pour rendre ton grand frère, hein, ton oncle, teubeux? Mais père, moi, il y a un extrait. Parce que je n'ai plus. Je, vous savez, je ne le suis pas. Premièrement, il m'avait bloqué. Parce qu'il avait dit qu'il débloquait tout le monde. Il m'avait aussi débloqué quand mon option faisait les recrutements. Après, il m'a encore bloqué. Donc, je suis bloqué. Non, mais tu as fait quelque chose à ce monsieur. Mais ce n'est pas possible. Maman, prépare ton voyage. Va faire tes œuvres humanitaires. Laisse-le. Il est devenu fou. Facebook. Je vous ai dit que Facebook, si là, si tu n'as pas le nerf, tu n'as pas le mental, tu ne peux pas t'en sortir. Le mental est primordial ici, là, d'abord. C'est-à-dire que le port même des cerveaux est recommandé. Facebook. Non. Pépé? Non. Pépé? Je ne sais pas. Mais tu as fini avec ton grand frère. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit? Et dans tout ça, moi, je trouve que c'est lui qui a plus à perdre. Vous savez, quand il y a un combat, il faut que les gens se positionnent. C'est pour ça que je vais commencer avec Tinti Pantalon, parce que les gens doivent se positionner. Et quand les gens vont se positionner, les gens vont savoir que, bon, dans ce combat, extrait de casier judiciaire, moi, je suis qui? L'adversaire est quoi? Sa feuille de route, son extrait de casier judiciaire, tout. C'est-à-dire qu'on nous évalue, qu'on fait notre défi, qu'on veut nous définir, qu'on veut donner notre CV. C'est quoi nos différents CV? Alors, c'est lui qui voulait être le banquier de la toile, c'est lui qui est peut-être le déchargeur de camion. Ça, je ne me moque pas des métiers, parce que vous savez, moi, je suis une femme. Je sais qu'il faut faire. C'est-à-dire, ce que tu vois, tu fais, ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Donc, je ne moque jamais des métiers de quelqu'un. D'accord? Donc, ce monsieur banquier, pour certains, et pour lui-même, et des chargeurs de camions pour d'autres, et peut-être vrai, peut-être pas vrai, on a, peu importe. Il est en train de devenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas évalué, il devait regarder que bon, je suis en train d'entrer en guerre avec des dames et un monsieur, parce que le monsieur c'est Amé Kamé. Des dames, et deux monsieur, donc, Slavé Samé Amé Kamé, plus des dames, donc, ma CCC, la Guita Boss, Mama Pépé, et qui d'autre? Parce que finalement, même ce n'est que eux. Mais deux femmes! Lui, il a eu l'aide des Ngomopion et toute la gang. Plus plein de gens. Mais deux femmes, entre autres, une qu'il veut seulement manger. Si maman avait pu voir le steak, c'est que le père a avalé. Parce que c'est qu'Amélie, il ne peut pas s'amuser avec la putain de bosse. Elle lui colle un procès. Elle lui colle un procès. Donc il ne s'amuse pas trop. Maman avait qu'il veut faire comme s'il faisait le dad. Il a une seule femme. Il a eu tous les alliés gratos. C'est même pas. Il faut dire la vérité, il n'a pas recruté ses alliés. Ses alliés se sont autoproclamés alliés. Ça allait se mettre derrière, il y a un aligné pour l'aider à combattre Pépé. Et Pépé l'a rendu teubeux. Je ne comprends pas. Je vous jure, envoyez les cœurs pour le diamant bleu. Parce que dans la vie, vous comprenez? La vie que vous voyez là, comme on est là, on se lève, on se couche, Dieu nous fait grâce chaque jour. Il y a des choses que il vaut même mieux ne même pas commencer. Il ne savait pas. Parce que, donc, j'ai dit que Pépé a rendu le père là teubeux. Il a eu. Moi, je me dis que. L'autre colle le procès. Amélie, la Guita colle le procès. Elle, moi, Pépé, lui colle la dépression. Mais le père est devenu fou. Moi, j'ai vu un extrait où il dit que, où c'est que chez lui, on avait débattu que maman Pépé, son mari, où se la prenait par où. Je dis, mais le père, elle descend jusqu'à ce niveau. Mais quand on te respecte, quand il y a un petit minimum de respect, franchement, franchement, grand frère, tu as dit que tu es mon grand frère, tu as 53, j'ai 52. Donc, tu as positionné, tu n'as pas fait comme mon gars. Mon gars a vu mon âge, mon gars est venu se mettre en bas de moi. Toi, tu as vu mon âge, tu es venu te positionner au-dessus de moi. C'est déjà bon. Donc, ça veut dire que tu es mon grand frère. Grand frère. Grand frère qui n'enlève jamais ses lunettes. Moi, j'enlève souvent mes poches que tu connais là, celle-là. Toi, tu n'enlèves jamais tes lunettes là. Grand frère. Comment tu peux accepter qu'une petite fille d'Agnès te tourne en bourrique comme ça sur Beta? Tu vas aller chercher l'infime. Moi, l'infime, j'aurai sa parole. Pourquoi j'aurai la parole de cet infime? Parce que cet infime veut gâter le chemin du reste des infimes du 237. Parce qu'il y a des bons infimes et il y a des méchants infimes. Et ce gars est méchant. Parce que si. Quelqu'un tend la main parce qu'il voit que voilà les grandes soeurs sur les réseaux qui essayent de faire des œuvres humanitaires et qui essayent de nous aider. Quelqu'un tend la main pour aider, il vient se placer là avec son handicap, joue la victime, on le prend pour l'aider et demain il veut détruire ceux qui l'ont aidé. Ce gars, il n'est pas simple.
Je ne suis pas d'accord avec lui. Et il gâte le chemin de beaucoup d'infirmes. Donc il faut que si certains infirmes maintenant qui sont vraiment infirmes et qui ont besoin d'aide, qui ont vraiment des victimes, qui ont vraiment besoin d'être assistées, ne sont pas assistées, il faut qu'ils sachent qu'il y en a un qui est passé et qui a gâté le chemin. C'est ça malheureusement notre triste sort en tant que noir de des réseaux sociaux et des 237, en tant que communauté camerounaise des 237. C'est-à-dire que quelqu'un trouve la voie et veut gâter pour tout le monde qui est derrière. Ça, c'est méchant ce que ce gars a fait. Parce que peu importe ce qu'il a eu avec la milliardaire, disons nous-mêmes que c'était une vraie idylle. Je dis bien, disons-nous que c'était une vraie idylle. C'est-à-dire que la milliardaire a trouvé l'homme de sa vie. C'est un film. C'est, moi, je n'ai pas de souci qu'une femme peut tomber amoureuse d'un homme. Un homme peut-être, ça, c'est des choses qui sont assez classiques dans la vie. Mais maintenant, que, à partir du moment où c'est arrivé, et que voilà, toi, tu as pu t'acheter une voiture ou une maison, même si tu n'as pas acheté toute la maison complète, t'as aidé à acheter le 1 dixième ou le 2, en tout cas, ce qui est sûr, ça a été tellement bénéfique. Puis tu devais même celui qui partait pour ôter les enveloppes d'argent dans les places. Donc, toi qui n'avais même pas Kimi. Un gamer de Schengen, avec ta canne là debout comme ça là. Un gamer de Schengen. Tu réussis à porter 1 million, tu vas donner 600 000. Donc tu touches même derrière les argent, même si ce n'est pas pour toi. C'est derrière la bénédiction en soi. Tu as gâté la route de au moins 500 000 infimes qui pouvaient encore venir sur les réseaux sociaux profiter de quelque chose en vrai. Ce que tu as fait n'est pas bien. Peu importe ce que la milliardaire, je ne connais pas la milliardaire. Vous avez dit que oh, peut-être elle se parle. Je ne connais pas la milliardaire, même pas téléphoner à personne. Vous me connaissez, moi je fonctionne, mes choses tapent sec. Je continue ma route. Peu importe ce que la milliardaire a fait, tu as. C'est-à-dire, toi, les films, si tu as coupé la route, tu sais que les œuvres humanitaires, c'est aussi mon affaire. Moi, j'adore faire les œuvres humanitaires. Moi, là, les repas des enfants de la rue, je fais les masques que je m'avais donné ici. J'aime bien faire. Quand le Covid arrivait, j'ai cousu au moins 5 000 masques que j'ai déposés partout dans les centres. Les masques en tissu. Là, je pensais à l'Afrique, je disais que mon Dieu, si les gens meurent, si ça arrive en Afrique, les gens vont faire comment? J'ai cousu les masques que j'ai donné aux enfants des édités de la rue parce que je pensais que. Est-ce qu'il va même porter avec la chaleur qu'il y a en Afrique, là? Le masque était fait pour le menton à l'époque là, du Covid. Vous comprenez? Un infime comme ça, je ne me moque pas de sa paralysie, il faut qu'on soit clair. Mais c'est un fait, il est arrivé avec son cas, son infimité, et ça, il s'est victimisé. Et l'empathie a pris bébé et elle a tendu la main. Viens mon fils, on va t'aider. Elle avait l'aide qui allait avec. L'aide a tourné en sa faveur, même si ce n'est pas le pied du marabout. Disons que le marabout a pété le médicament, il a donné le corps. Quand le gars parlait, dès que la maman l'a entendait, elle était prête. Même si ce n'est pas le bien du marabout, peu importe. Ok? Tu te positionnes. Tu réussis à te faire une maison. Tu réussis à faire la voiture, à avoir ta voiture d'infime. Tu réussis à faire beaucoup de choses. Mais tu décides de publier de nudité, de faire le chantage à femme. Pas le bien de qui des gens lui met ça. Mais je demande à mon fils. Parce que tu as la tête là comme si je peux t'accoucher. Il faut faire très attention. Les choses n'arrivent pas au hasard aux enfants de Dieu. Parfois, tu obtiens une bénédiction comme ça. Un bon matin, tu te lèves, tout fait comme ça. Ça part. Tout. Jusqu'à y appeler. Ce que tu fais, comme tu as parce que vous pensez que c'est parce qu'on s'assoit en direct, on appelle un tel, il vient, il témoigne. L'autre vient, il faut faire le direct, on paye les vues, 2 500. On fait venir quelqu'un parler, comme ça, à faire. On a dit comme si, hein, que ça va changer grand-chose. Voilà qu'en sortant avec Jean-Louis, le roi du mal, la madame aussi sortie chez bébé. Et quand la madame est sortie chez bébé, elle a contrecarrer tout ce que tu as dit. Et elle s'est rangée avec Pépé. Et elle est encore sa milliardaire jusqu'au jour. Donc, au finish, c'est qui a perdu? Parce que quand vous décidez de faire une démarche ou de saquer ou saboter quelqu'un, il y a un but. Le but, c'est quoi? C'est couper la milliardaire de Pépé, right? De faire que la milliardaire n'approche plus dans ses pavis, right? Mais au finish, la milliardaire est avec elle. Et la milliardaire n'aidera qu'elle et personne d'autre. Donc, vous ne voyez pas que c'était peine perdue. Quand Dieu te permet venir à la brèche. Il t'ouvre la voie. Il t'avance jusqu'à l'abreuvoir. Que toi-même, quand les riches mangent, tu en bas ici, là, les miettes tombent sur toi. Quelqu'un tire ta main et te met sous la nappe du riche. Tu es là, les miettes tombent sur toi. Et toi-même, au-delà des miettes, tu deviens même l'amoureux du riche. Que pour toi, c'est que le riche dit que finalement, mon fils, on peut même faire des choses ensemble. Comme tu dragues le riche dans ton expertise et ton exé. Peut-être tu es vraiment venu en mission. Et mon fils, tu as zaï. Tu as parce que vous n'allez nullement souiller cette milliardaire. Elle ne peut pas être souillée par ses bons et loyaux services. Et si elle a eu le malheur de tomber en amour avec toi, peut-être ton handicap, ton infimité a fait que tu es parti et faire encore les dragues et tout, elle ne peut jamais. Elle ne peut jamais être mal vue. Une comme moi, je ne peux même pas l'en vouloir. Je ne peux même pas dire que, ish, comment elle est partie. Non. Parce que le cœur a ses raisons. Que la raison même ignore. Si elle est tombée en amour avec toi, là, elle peut même te sortir de ton trou, là, tu te retrouves là où elle est, dans le pays où elle est à côté d'elle, et devenir même son mari. Quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un.
Le jour que vous allez comprendre ça sur les réseaux sociaux, vous allez avancer à la vitesse de l'éclair. Beaucoup stagnent comme quelqu'un à cause de ça. Flor machina quelqu'un pour lire stagne à cause de ça. Parce que vous ne comprenez pas que quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un. Et le quelqu'un de quelqu'un, c'est le quelqu'un de quelqu'un. Si le quelqu'un de quelqu'un veut que le quelqu'un de quelqu'un soit le quelqu'un de quelqu'un. Et si le quelqu'un de quelqu'un veut gâter le quelqu'un de quelqu'un va faire que le quelqu'un de quelqu'un va aussi revenir pour retrouver le quelqu'un de quelqu'un et quelqu'un va devenir avec quelqu'un. Ce qui est sûr, quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un. Vous comprenez avec quoi? Vous pensez que quelqu'un s'assoit comme ça et la manne tombe du ciel? Non, 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 non. Dieu utilise qui il veut. Il met à la place où il veut, quand il veut et comme il veut. Nous sommes comme des pions dans ses mains. Mais toi, tu arrives, tu pleures, ma bébé te prend comme son fils, elle t'amène à la maman. Et toi, tu arrives à la maman, à la milliardaire, tu dragues la milliardaire avec ton écorce sous ta langue, tu dors son esprit comme vous connaissez faire. Et toi, tu te crois, wow, oui. Et maintenant, tu veux que tu mettre sa nudité. Ça ne coupera rien dans son porte-monnaie. Au contraire, elle peut te poursuivre et faire même content, faire même t'oublier même quelque part, même pour 6 mois. D'abord, donc là-bas, là, tu vas manger même les bêtes. Bon, fais une bête. Tu vas manger même les caca. Et tu sais qu'on t'enferme, non? On t'oublie là-bas même 6 mois. Tu vas payer les cartes comme toi, on te met quelque part. On ne prend pas ton dossier en attendant, on te jette d'abord, tu attends. Là, tu vas rester et dire que, ouais, j'étais même presque libre. Comme je suis entré dans ça, tout ça, la haine des gens, lui. La haine des gens, lui. Parce que toi, tu crois que nous, qui sommes sur le net, on va se moquer de la milliardaire parce qu'elle a, elle a osé. Elle a osé, entre guillemets, avoir un rapprochement ou une affinité ou je ne sais pas quoi, entre guillemets, avec toi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On s'en fout royalement. Tu veux même le père. Si elle était une maman qui voulait faire des enfants, tu veux même le père d'un enfant, quoi nous faire? Et rien ne nous fait. Je dis bien, quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un. Donc, il n'y a rien que tu as fait qui est sorcier. Au contraire, tu devais être reconnaissant. Il faut apprendre à être reconnaissant dans vos vies. C'est pour ça que vous voyez les gens stagner sur les réseaux. Il faut apprendre à être reconnaissant dans vos vies. Quand tu reconnais la bénédiction, tu la déclares, Dieu t'envoie d'autres. Je dis, tu reconnais la bénédiction, tu déclares la bénédiction, tu l'acclames haut et fort. D'autres bénédictions arrivent parce qu'il faut être reconnaissant. Dieu a horreur des injustes. Dieu a horreur des injustes. Ce que tu as fait n'est pas bien, mon fils. Non, 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 non. Quelle que soit l'âme là, tu as mal fait. Moi, cette dame, je lui donnerai le respect tout le restant de ma vie. Pour la simple et bonne, elle n'est pas camerounaise. Elle n'était pas obligée. Il y a plein d'infimes chez eux. C'est sûr que dans son pays, maintenant, on est en train de l'insulter. Vu l'exposition que tu es en train de l'exposer, là. Elle a laissé son pays, elle a suivi une blogueuse. Comme moi, j'ai des fans en comment on appelle l'endroit là? Louis en Guadeloupe, Martinique, île Malgache. Je vais aller là-bas quand. J'ai des fans là-bas. Qu'elle m'écrive que ma reine, je t'écris depuis l'île Malgache. Je t'aime jusqu'à. Je dis que, mais, moi aussi, il est arrivé là-bas. Alors, quelqu'un qui est fan de toi, de loin, qui vient aider les ressortissants de ton pays sans être de ton pays ni de ton village. Ni même de bon, laissons même le village, ton pays. Parce que même on va dire village, on va dire que oui, c'est les Yamseurs. Comment on va dire que tu vas dire qu'elle va faire la réunion des Yamseurs. Moi, j'attends l'assise de la réunion là ici. D'accord? Vous voyez, les gens n'évoluent pas, les gens stagnent leur vie, ça piétine à cause des choses comme ça. Vous n'êtes pas reconnaissante. Savoir reconnaître la bénédiction, la déclarer, la parole. Pardon, la parole a le pouvoir. Franchement, il faut arrêter. Et tout ça, Jean, lui, viens parler, viens ceci. Quand ça ne va pas, c'est la sœur de Pépé. Sa sœur a dit ceci, sa sœur a dit cela. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pépé elle-même nous a dit que les enfants, c'est pour son neveu, sa nièce, je ne sais même plus quoi. On a eu toute l'histoire. Depuis l'époque qu'on a signé l'enfant à la préfecture. Est-ce qu'on a encore sur ça? Pourquoi vous ne pouvez pas me changer un peu de disque? Amenez les autres choses. Dites même que peut-être elle a volé. Peut-être elle a braqué une banque. Ou bien, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que le piment, comme vous êtes tous sur le piment. Maman, quelqu'un prend son parti, il décide d'aller poser sur un comptoir. Ça vous regarde même à quoi? Moi, je ne comprends même pas les moments justifs que ça devient un sujet de conversation, un sujet de moquerie. Zaben. Moi, je ne vous comprends pas. Donc, toi, monsieur Jean-Louis, de toute façon, tu es assis là. Donc, toi, tu crois que tu peux courir derrière. Je vous dis, il y a déjà des personnes que tu ne cherches même pas à entrer en guerre avec. Parce que ces personnes ont développé de l'endurance dans la guerre. Une comme moi. Quand tu viens en guerre avec moi, il faut que tu sois très prêt. Je te jure, peut-être que c'est une maladie grave. On touche du bois. Quand tu dis que Nathalie, ouais, elle est malade, elle ne peut plus parler. Maman, tchaboum, je te que. Maman, bouge-moi tous les jours. Je ne sais pas qui va me dire de te laisser. Je ne sais pas comment on va faire. On va seulement courir. C'est même si je ne vois plus. D'abord, j'ai 10 personnes, je vais t'insulter, m'a dit. D'abord, je me connectais avec 10 personnes, t'es tungoué. Matin, midi, soir. Oui. Je t'ai sungoué. J'ai dit qu'il y a 10 personnes. Demande Tolly.com comme tu viens d'arriver. J'ai dit que j'avais 10 personnes. J'insultais chaque jour. Tu me connais même. Je suis seulement sur ça. Au jour d'aujourd'hui, moi, quand elle m'assoit, je ne m'appelle pas de 200 personnes qui me regardent. J'avais 10.
Je danse 2 heures de temps devant 10 personnes, ça ne chauffe pas. Je lave quand je danse propre, ça ne chauffe pas. Vous comprenez quoi? Donc moi je dis, franchement, il est temps, nous devons doser. Facebook, c'est fait pour tout le monde. J'ai toujours dit ici, même quand quelqu'un vient, il lance son blog pour m'insulter. Moi je dis, c'est sa part de blog. C'est sa part de blog. On a eu, comment ça s'appelle, Nicole Ketcha. Quand Nicole Ketcha a commencé, elle a pris partout, elle m'a prise. Je l'ai appelée l'étoile montante. Et étoile montante n'était pas une injure, elle n'a pas compris. Elle a cru que c'était une injure, que je disais que comment on prend les étoiles sur Facebook, elle avait les étoiles. Elle dit non, moi je ne prends pas les étoiles. C'est toi, elle était fâchée. Je dis que, ok, étoile montante, c'est une bénédiction, c'est une parole qui a un pouvoir qui va te faire monter à un moment donné, tu vas aussi être blogueuse. La preuve, est-ce qu'on peut parler sur Facebook sans citer Nicole Ketcha? Même dans tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait. Elle-même est déjà que, quand on parle, Nicole, qu'elle a, on dit Nicole, c'est toi? Personne ne doit être laissé. C'est-à-dire que peu importe le genre de blog, tu peux même faire ta part de blog, tu fais que le tu. Chaque jour que tu te connais, tu fais ça comme ça. On va venir regarder que celui-ci fait seulement comme ça, pourquoi? Voilà, t'as pas de blog. On a un Sénégalais, il ne parle pas. Millions d'abonnés YouTube, millions d'abonnés TikTok, millions. Le gars est multimédia. Il a conçu même. Peut-être qu'il fait seulement les stations-service. Parce qu'on dit que maintenant, là, les influenceurs font que les stations-service. Maman, les abonnés que tu veux voir, il ne parlait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était comme un dieu. Là, il n'importe où, il regarde ça, il fait comme ça. Tout le monde suit son regard, il regardait quoi. On quitte ça. Le gars est multimédia. Il n'a jamais dit bonjour à quelqu'un. Tiens, on voit comment on l'a insulté jusqu'à. Il y a la place pour tout le monde. Je ne sais pas comment quelqu'un peut penser qu'il va s'accaparer le globe. Tu ne peux pas. Je dis que tu ne peux pas. Tout le monde. Je dis que nouvelle personne, tu crées. On a la PDG des plantains ici. Elle a son blog qu'elle a créé. Page piment, quoi là. Congo, ça piment, je ne sais pas quoi. Elle m'a insulté chaque jour. Elle a eu 5 000 combien d'abonnés. Elle va m'atteindre ses 10 000 monétisés avant même son chèque. C'est comme ça. Ça va seulement avancer. Il y a les gens qui se lèvent le matin, ils veulent voir qu'il faut qu'on insulte la grosse tête de Nathalie là. On doit l'insulter jusqu'à. Comme insulte la personne chantage, elle a perdu. Pour tout le monde, ton livre, comme tu connais. Quelqu'un peut s'élever. Même aujourd'hui, si tu n'as pas encore créé ton Facebook, va créer maintenant. Commence aussi. Sauf, tu vas arriver à la monétisation. Là. Dieu n'oublie personne. J'ai dit que personne. Tu te lèves. Même si tu dis que mon blog, c'est seulement pour insulter. Mon blog, c'est pour danser. Mais seulement, tu danses chaque jour. Danse chaque jour. On a notre coucou. Les coucous, elle met ses petits caleçons grillages dessus. Sa vidéo de petit caleçon avec son grillage qui dépasse le caleçon, caleçon bas de la hanche ici, loin en bas de church même. Elle danse avec ça, la vidéo là aura même 2 millions de vues. Parce qu'on va regarder pour dire que, mais elle a un problème. Entre les ceux qui regardent pour dire qu'elle a un problème, mais ils sont quand même en train de regarder. Oh. Entre ceux qui regardent pour dire que voici, on la follow. Entre ceux qui regardent pour dire qu'elle me fait rire. Oh. Entre ceux qui regardent pour dire que, qu'est-ce qui m'a amené ici? Entre ceux qui atterrissent que vous. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas décider que le blog c'est pour vous seul. Ce n'est pas possible. Donc, ceux-mêmes qui signalent les pages, vous êtes lâches. Moi, je n'ai jamais signalé personne. Je dis, Flora, elle peut m'insulter tous les jours, je ne la signale pas. Claude Akam, tous ces abeilles-là, même Anna Ngabadam de Fakoche, je ne l'ai jamais signalé, je bloque. Je continue ma route. Elle continue. Pourquoi je dois signaler quelqu'un quand elle est quelque part où elle est à l'aise? Si m'insulter fait d'elle une. Le fait se sentir vivre, mais qu'elle continue à m'insulter. Je ne peux pas l'empêcher de m'insulter. What the heck? Je dis qu'il est star, l'âme-là. Il est star, la magie. Regarde là, je suis celui qui va rester et dit que, ok, je vais seulement assis, j'ai décidé de regarder seulement comme ça. En regardant comme ça, je voyais que les gens venaient voir comment je regarde comme ça. Et en regardant comme ça, c'est devenu regarder comme ça. Et tout le monde maintenant me regarde. Et maintenant, multimilliardaire. Regarde là, maintenant, ils doivent faire des stations d'essence. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils savent pourquoi faire comment on a conçu même des stations d'essence partout. Tellement ils ont conçu les choses. L'argent, chaque mois, son chèque est bon, hein. YouTube, TikTok, Facebook et même Twitter, ils prennent partout. Oui. Tout le monde a sa place. Et celui qui n'a pas encore créé, va créer maintenant. Voilà notre Awa. Awa, la petite Awa. Portez-le comme ça avec son chien doudou, c'est comment elle appelle ce coucou, c'est quoi là. Les bibiches. Tu vas bouger Awa là où Awa est. Awa mange à 4h du matin. Les gens viennent regarder Awa manger. Awa, je dis que Awa est ça pour rien. Awa, elle va raconter son histoire. Awa met un chandail court comme ça. Elle met le collant en bas, son ventre bien que vous. Les insulteurs de talent, vous avez dit qu'avec ton gros va. Awa est sexy, elle se met, elle tient son sac à main. Elle dit qu'elle est sexy. J'ai une vidéo d'elle aujourd'hui là. Moi, je suis Awa mal. Je suis femme de Awa. Quand elle met la nourriture, elle met petit à son gars, elle met pour elle beaucoup. Elle dit qu'elle va manger tout ça. Elle prend le pain, elle lui donne un coup de pain comme ça. Elle met deux baguettes. Seule. Et c'est comme ça. Le hop aïe. Oui. Awa est là. Awa est star. Tu ne peux pas déplacer Awa. Awa, même si elle ne se connaît pas, on va la chercher. Awa est ouf, on la cherche. Chacun a sa place.
Tu restes, tu fais une semaine. Moi-même, si. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais il y a des gens qui ne m'aiment qu'une semaine. Ils vont après, mais qui que m'arrête même de tuer où? Tu vas bien. Oui. Patouchou ne s'est pas connecté, ça fait combien de temps? Je n'ai pas vu Patouchou. J'ai une personne qui m'a écrit. Tu as eu Patouchou? J'ai dit, oui, je lui ai parlé avant d'aller à Chicago. Pardon, appelle-la maintenant. Tu me dis, hier. Yeah. Tu me dis comment elle va. J'étais obligée de l'appeler à l'urgence. Elle dit, Patouchou, tu vas bien? J'ai telle personne de Facebook qui veut savoir comment. Elle dit, je vais très bien. Je suis juste dans mes choses. Je dis, ok. Je suis reparti écrit que Patouchou va bien. Donc, juste pour vous dire, Patou n'est pas en train de. T'as dit qu'elle se connaît tous les jours, n'est pas en train d'insulter. Elle parle de l'immobilier, elle parle de beaucoup de choses. C'est vraiment une femme entrepreneur à succès. Elle parle que c'est une fermière entière et tout ce qui va avec. Mais des fois, quand on la voit, on a envie de la voir, Joe. Chacun a sa part de gâteau. Facebook, Zuckerberg, il est super généreux. Il est comme Dieu. Après, Dieu, c'est lui. Même TikTok, là, c'est pareil. Tu vas sur TikTok, tu poses ta chose, il y en a qui vont voir, il y en a qui ne vont pas voir. Ils vont dire que c'est un sinon. Les gens vont venir que pour le sang, il achève. Chacun va venir faire pour lui. Mais chacun aura sa place. Il n'y aura pas que. Oh, comme ça. Non, 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 non. Non, 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 oui. Vous comprenez avec quoi? Donc, il faut arrêter. Ce petit infime-là a gâté son chemin. C'est lui qui a pourri sa route. Même s'il est maintenant riche, là, la voiture, là, la maison, il fallait penser aux autres. Quand on fait les choses, on ne fait pas que pour nous. Nous sommes sur la terre, nous sommes en pèlerinage, nous sommes de passage, mais il y a une génération qu'on laisse derrière. Qu'est-ce qui va se passer après? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on va me dire que, ok, c'est si sa grand-mère c'était reine-mère bio, elle faisait les directs, il faut qu'il complète. Un autre va me dire, ta grand-mère insultait ma grand-mère. L'autre va me dire que non, c'est ta grand-mère qui va attaquer, c'est où? Allons chercher. Ils vont dans la Genèse, ils vont trouver les vidéos là-bas. Oh my, chacun sera en train de s'expliquer. C'est comme ça. Donc ne vous laissez pas, ne laissez pas. Les choses qu'on dit que non, concentre-toi sur ceci, je ne suis pas d'accord. Ça va de pair. Ça va de pair. Vous faites ensemble. Pendant que tu avances, tu fais. Si le besoin se fait sentir, tu amènes la clarté sur ce qu'il faut amener, même s'il y a deux personnes qui te regardent. La vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Mais un jour, ça va arriver. Mais si on finit de dire tout ce qu'on dit sur toi, tu fermes ta bouche, qui ne dit mon consent. Ça veut dire que c'est la vérité. D'autres disent que s'expliquer, c'est une façon de se justifier. Ça dépend des situations. Moi, je m'explique. Il y a des choses que je n'ai pas prises sur les réseaux, je ne prendrai jamais. Et je n'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec les gens. C'est le respect qui me lie avec les gens. Moi, je respecte beaucoup les gens. J'ai une façon de m'exprimer. Même si ça ne va pas, il prend le retrait. Je me retire. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous comprenez, non? Tout le monde a sa place. Tu peux créer même une page. Tu le mets même. Voilà ton lipone. Comment ça, c'est qui est derrière? Il a une bouche comme ça. Là. Il est seulement là. Lui, il coupe. Il va avoir 500 000 abonnés. 1 million d'abonnés. Les gens vont venir écouter les bêtises qu'il va couper. Gentil ou pas gentil, on écoute. Il coupe. Le truc, c'est que ne mets pas un titre pour insulter comme les Congo-Sabas d'avant, qu'on mettait un titre pour insulter un et on mettait un titre pour favoriser un autre. C'est ça qui dérangeait. Moi, je n'ai pas de page pour couper tout. Moi, je coupe ceux qui sont en conflit avec moi. Moi, je suis dans mon combat. Sinon, si c'était mamie coupée, j'allais seulement recruter quelqu'un qui s'assoit, il coupe tout ce qu'il voit. Il coupe. Cette page-là peut exister. Toli point comme là, on ne connaît pas c'est qui. Sa bouche là comme ça. Congo-Sabas comme ma bouche comme ça. Elle est riche, elle est. Il est seulement là. Derrière là. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être même 4 personnes. Le chèque arrive, il partage. Maman, il y a la couleur de la jambe. C'était un moment où ça vous a pris ici, c'était moi. Oh. Oui, c'est ça. Un moment où ça vous a pris ici, c'était moi. Oh, Nathalie Baba l'a fait ceci. Oh, Nathalie Baba l'a fait cela. Oh, elle n'a pas fait ceci. Non. Non, non, non. Non, non. Elle fait des étoiles. Je veux que vous preniez vos chèques d'étoiles à la fin du mois. Vous dites que, on m'a donné le chèque d'étoiles, je ne vais pas prendre Nathalie Baba. Je veux aussi voir si vous allez vous séparer de vos chèques d'étoiles. Oh, elle voulait les étoiles. On a vu comment vous m'avez insulté des étoiles, surtout chin-chin pantalon. Après, tu es maintenant parti. Vous êtes tombé tous sur ton casque, les étoiles. Donc, votre guerre, c'est seulement discuter les étoiles dans les poches des autres. Vous vous donnez les étoiles quand? Chin-chin, tu as donné les étoiles à qui? Ta guerre, c'est discuter les étoiles dans les poches des autres. Que Dorcas voulait les étoiles. Moi je pleurais les étoiles. Dorcas pleurait les étoiles. Les chèques vont. Comme vous, vous ne pleurez pas les étoiles. Moi je pleure. Vos chèques des étoiles, vous avez déposé ça où on a vu. Donne à l'organisme de la reine Galas, on voit. Dis que moi je ne veux pas les étoiles. Tous les étoiles qu'on me donne, je donne aux enfants de la reine Galas. Ils sont en train de chercher à construire la maison. Fais aussi ça, on voit. J'étais entendu, on m'a pipé dans un de tes directs dans le noir. On m'a envoyé, capturé, tout m'a envoyé. Que tu étais en train de dire que, oh Nathalie Babalé, il y a aussi une coupure où tu avais un haut blanc. Et quoi, dans ton couloir lugubre là, tu étais en train de me dire que, oui, qu'il faut que je. Comment tu as dit ça? Qu'il faut que je. Que tu es étonné de me voir parler chez Maté. Que tu m'as vu dans le direct de Maté. Mais je demande à un titre, tu me conseilles, on est ça? Tu es qui pour me conseiller? Je t'ai donné 10 points de ma vie que j'ai et que tu n'as pas. 10. Donc dans 10 vies, on peut pas être la même chose. J'ai plus que 10. Tu veux que je récite encore ça maintenant? Je ne me trompe pas.
Je dis bien, je ne me trompe pas. Depuis que je suis connecté, vous m'avez vu demander les étoiles à quelqu'un. Bonjour Marco, vous m'avez vu demander les étoiles à quelqu'un depuis que je suis connecté. Si j'ai dit qu'envoyer les étoiles. Non, partagez le direct, bipez les autres, tout. Même les étoiles n'est pas demandé. Si quelqu'un envoie merci, c'est tout. Mais à la fin du mois, j'ai aussi ma part de chiffres d'étoiles qui me regardent aussi dans mon compte. Comme tu n'aimes pas les étoiles, c'est moi que tu aimes. Ton chèque d'étoiles, tu as déposé où? Il faut prendre le ticket. Hein? C'est moi, tchin tchin pantalon, je n'aime pas les étoiles. Si un chèque, je donne à l'organisme de la reine, là, je donne à l'organisme d'un tel. Tu choisis les organismes, tu donnes. Moi aussi, je veux voir. Personne qui se nourrit avec le calabar et le Coca-Cola. Tu parles à qui? Quand elle a trop fait coquille poivron, le gars ne va pas fuir, qu'il va faire comment? Le gars est parti, Kalala. Elle s'assoit dans le direct l'autre jour. Elle me conseille que je ne devrais pas partir chez Maté. Je vais te rafraîchir la mémoire, Tintin. Je ne devrais pas partir chez Maté parce que Maté a tellement insulté mon mari. Je suis une femme terriblement mariée. Maté. Mais ma chérie, tu as oublié. Tu as oublié ce qui s'est passé avec Nivakin. Nivakin, Mini Minon, qui t'ont lavé, séché, rincé ici sur Meta jusqu'à. Mais c'est pas, ce sont pas, ils ne sont pas devenus tes meilleurs amis. Nivakin, oh, mon chéri est arrivé. Nivakin, Mini Minon, ils ne sont pas devenus tes meilleurs amis. Hein? Ils ne sont pas devenus tes meilleurs amis, Nivakin, Mini Minon. Ils sont devenus tes meilleurs amis. Oh. Tout le temps, il t'a lavé. Un moment là, quand il supportait sa mouille, il t'a lavé, séché, rincé, Mini Minon, pareil. Guillemard, on n'en parlons plus. Guillemard, quand il m'insultait dernièrement pour t'aider là, dans TikTok là, tu n'étais pas assise là-bas. Tu ne peux pas dire que non, il m'a trop insulté. Tu rampes, rampes là. Tu as donné le nom de ton aide-moi à rester 13 ans. Rampe, rampe. Ce n'est pas les gens de Flore. Ce n'est pas Flore qui a donné rampe, rampe à ton amoureux. Tu fais quoi avec Flore? Jusqu'à ce que tu poses ton pied, on tape ton pied au sol comme ça. Tu poses ton pied, on gifle ta cuisse comme ça. Tu fais quoi avec Flore? Elle n'a pas donné le nom de rampe, rampe. Elle n'a pas lavé la dépouille de ta mère étant à l'hôpital avec sa mère propre. Ne te perds plus. Je dis que ne te perds plus. Je vous donner un conseil un jour. Comme dis vous le mentalé. Tu n'es même pas indiqué pour lui donner un conseil à quelqu'un sur le temps. Je te dis que ce n'est pas toi. Rampe, rampe. Un papa. On lui a mis rampe, rampe. Parce que le père a rampe. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas les gens de Flore. Tu n'es pas avec quelque chose que tu vas créer l'association des Yamseurs. Pour encore arnaquer les gens. Nous, on attend les chaises de la télé. Dès que les chaises sortent, tu lances la télé, nous on va voir. Mais il y a beaucoup d'appareils. J'ai visité le studio de la mec en direct. Il y a beaucoup d'appareils. Beaucoup d'appareils. Tu comprends, non? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appareils. Beaucoup. Donc j'ai visité le studio. Appareil Beaumaye. Beaumaye. Le niveau d'appareil qu'il y a là-bas, c'est la magie. Parce que vous parlez là. Beaucoup d'appareils. Hi baby. Je suis en direct. Beaucoup d'appareils. Donc j'ai vu le studio. Je dis que la lumière qui fait ceci. Bleu, blanc, rouge. Vert, jaune, ceci. Ceci, c'est là. J'ai tout vu au studio. Donc il ne faut pas faire vos trucs qu'on met sur la chaise. On s'assoit. On dit que. Puis grâce studio. Bon, machine, mon machine est filmée. Mon capteur, bon Dieu. Bon, programmer écran. L'écran s'il va là avec l'autre écran qui va faire ceci. Ce n'est pas la même chose, ma chérie. Il y a niveau par niveau. Par niveau. Mais tu veux show ou bam. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Tu dis que non, lui, il est devant, je viens derrière. C'est tout. Si on était comme ça, c'est qu'on est très loin. Parce que, mine de rien, Zuckerberg a mis la manne. C'est la manne qui tombe du ciel. Mine de rien. Mais parce qu'on a toujours l'esprit, oh, tu veux faire un truc, l'autre va signaler ta page, oh, finalement, on va même te payer. C'est certes. Comme si il ne signale pas, l'argent qu'on devait te donner, on va lui donner. Le signalement n'est pas payé, on paye en haut. Le signalement ne donne rien au signaleur. Tu as juste la sensation de dire que tu l'as mis hors d'état de nuit, mais tu as quoi? Toi-même assis, tu vois quoi? Si tu avais quelque chose, si on disait que le signalement d'un truc, si vous signalez qu'il y a quelque chose qu'on recherchait, on vous donnera 50 euros, j'aurais 50 dollars, j'aurais dit oui, signalons. Signalons vivant. Mais le signalement, à quelle fois, tourne de là. Tourne de là. Tu as acheté quoi? Le signalement ne donne même pas un King Kong. Ça, là, quoi, c'est des choses comme le signal, King Kong, tu comprends, non? Donc, tu ne peux pas te lever, quelqu'un est en train de parler. Moi, je vous dis, vivre et laisser vivre doit être la devise. Quelqu'un parle, c'est son problème. Toi aussi, viens, parle pour toi. Chacun parle pour lui. Quelqu'un coupe, il met. Toi aussi, coupe, tu mets. Si tu n'es pas capable de couper, paye quelqu'un coupe pour toi. Et puis, vous divisez l'argent. Simple, simple. Même, je dis comment? Dolly.com, tu peux un peu l'expliquer ça. Toi, tu es qui? Oneza, Dolly.com. Ou ta famille, ou ta garçon, on ne connaît pas. Non, sérieux. Mais où les fois, petit, il y a un géré en latio. Quand quelqu'un se lève, il va commencer, il ne va pas te trouver. Il passe sur toi pour regarder si tu n'as pas posé quelque chose, non. C'est tout. Pourquoi vous ne faites pas?
faites pas ça. Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi on doit toujours... C'est-à-dire que quelqu'un va se lever, que votre page est restreinte parce qu'on signale quoi sur ça? Vous signalez quoi, en fait? Laissez les gens. Moi, quand on m'insulte, la seule chose que je fais, j'y vais pas. Je ne suis pas la personne. Je ne me connecte pas. La personne, je la bloque. Je te bloque, je bloque avec tous les screenings que tu vas créer. Je ne te suis plus. Parfois, on me dit qu'il y a un Japon. Eh, ton beau de beau. Je lui dis, Marco. Je lui dis que tu l'es sali. Il ne va pas parler. C'est qu'il n'aime pas les réseaux. Et ça, il lâche quand il va. Quand il va arrêter ça, je vais lui dire que chérie, le bien d'avoir un gros salut ici. Là. Il va te faire. Très bien. Il n'aime pas. Non, il n'aime pas la bonne chose là. Eh, hey, où ma carte qui? Ma carte qui? Eh, bonne job à ma carte. Comme il crie le jour. Toli, dis-nous. Moi, voici assise ici avec ma grosse tête, un gros cerveau plein de sagesse. Et poche là, le long menton. Le teint est inachevé. Vous m'avez dit, je flore que mon teint est sale. Je dois laver. Une chance que je ne suis pas allée prendre les huiles. Si je prenais les huiles pour foutre, ça allait terminer. J'ai souvent dit que oui, c'est ça, j'accepte comme ça. Oh, tu es trop comme ça. Oui, j'accepte. Tout ce qu'on disait, je dis oui, j'accepte. Tout ce qu'on disait, oui, j'accepte. Aujourd'hui, j'en ai où? Qui a besoin de retrouver mon teint? Beaucoup de gens sont en train de laisser le temps sans pour me retrouver. Donc moi, je suis restée naturelle. Et aujourd'hui, je suis fière d'être restée naturelle. Si j'avais pris maintenant qu'on m'insultait partout, on me caricaturait. Oh, elle est noire, elle est ceci, son teint est sale. J'avais pris les huiles pour mettre. Peut-être aujourd'hui, j'allais être en train de pleurer. J'avais tous les boutons, toutes sortes de choses. Donc apprenons à nous assumer. Et sachons que Dieu mesure pour chacun. Chacun a sa part. Chacun a sa part, je vous dis. Même celui qui commence sa page. Tu vois, non? Même celui qui commence sa page. Je te jure. Il commence. N'ayo, il avance. Je t'ai dit, Marco. Toli.com dit, j'aime ton look. Un nappi qui dit, oui, maman, j'aime mon Congo. Toli, je ne peux pas te mentir. Là, j'ai porté la perruque. Je ne peux pas te mentir. Moi, je suis bien que je suis moi, Congo. Quand j'ai les cheveux coupés là. Oh. Je me sens. Quand elle met la perruque, je suis toujours en train d'arranger. Les cheveux qui partent là-bas, la main que... Oh, que je suis free, je cours seulement. Ça dit que... Je ne sais même pas. C'est mon must, mes cheveux courts. Ça dit que c'est ma coiffure propre. Ça dit que pas prêt. Ça dit que... Je ne sais pas. C'est ma première des coiffures, en fait. Donc, quand mon barbier passe sur ma tête, là, moi, je me sens... Il n'y a plus une perruque qui va venir sur ma tête. Quand il n'est pas passé, vois que bon, c'est dénivelé, c'est pas aussi tracé, c'est pas... Bon, là, je mets la perruque. Parce que parfois, je réussis à recréer un truc, je prends l'éponge, je roule, je fais des trucs, mais là, j'aime quand il passe dessus, qu'il passe, il rase, il trace les zigzags, je suis debout, je suis free. C'est comme si je peux partir jusqu'à dans l'air. Ah bon, hein, tu ne mets plus de perruque, tu vois. Les perruques, là, hein, Tony, c'est pas la magie, c'est pas facile. Maman, j'ai compris la live, c'est très important de la comprendre, la vie est simple. J'ai dit que c'est simple, c'est une règle de trois, simple. Nous, on la complique pour rien. Mais j'ai un nom si tu ma tante disait que tout le monde que son nez regarde au sol va finir par descendre. Moi, je dis cela, il y a l'autre tête dans la main, merde, soir. Donc, nous tous là, même les bétanes qui ont les narines bien levées là, comme si, comme ça, le trou de ça vient tout pas. Maman, narine, le trou n'est pas ici en haut. Si le trou de narine est en haut, c'est que c'est bon. Tout le monde dit cela, il y a l'autre tête dans la main, merde, soir. Ah, tu m'as vu à Nantes? Oui, mais on me lavait. Et quand on te lave, c'est comme ça. Même maman Pépé, elle avait un très beau teint. Il faut dire la vérité. Elle veut maintenant être claire, claire. Là. Elle avait un très beau teint. On lui a dit que son teint est sale, elle allait flotter. Elle est allée flotter, voilà. Elle avait un teint. J'ai dit que même ses doigts prédisposés au kendo. C'est ça que vous voyez, ses mains sont toutes fraîches. Parce qu'elle, même quand elle était comme moi, s'il avait même plus clair ou je ne sais plus comment, à quel niveau elle était, on l'a insulté que teint sale, elle est partie flotter. La reine mère bio, la plus belle des blogueuses qui fait s'assumer. Oui. Moi, je m'assume. Parce que de toutes les façons, c'est que l'expérience, quand tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? La bonne charité, comment tu dois d'abord t'aimer avant que les autres maintenant? Parce que l'estime que tu te donnes, c'est ça qui projette. Tu as une réflexion de la lumière, Nadi. Aïe, non. Donc, la lumière, c'est-à-dire qu'au bout de tu te sens bien. Donc, maintenant, tu projettes, ça contamine, ça flash sur les autres. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne t'estimes pas, tu te sous-estimes, tu te... Mais gars, wow, crispés, et ils vont te le faire. Ils sont forts sur les réseaux. Ils vont te faire ça propre. Et te dit, les gens, ils ne blaguent pas. Quand ça soit sur toi, maman, c'est sol, terre, mer, sous-sol, fond marin.
Le genre que tu te couches comme ça, tu te lèves. Si quelqu'un, moi j'ai la chance que mes abonnés, ceux qui me suivent, savent que j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand je bloque, j'ai bloqué. J'ai bloqué 55 000 personnes. Donc imaginez là, 55 000 personnes bloquées. Donc ça veut dire que j'ai 75 000 abonnés. Donc j'aurais déjà eu 100 quand même. Parce que n'oubliez pas que ceux que j'ai bloqués étaient abonnés quand même chez moi pour suivre ou pour venir me nuire. Entre guillemets, mais j'ai bloqué. J'ai bien bloqué, bloqué jusqu'à bloquer. Et ça ne chauffe pas. Pourquoi? Parce que je choisis. Je choisis mes comment je peux dire? Et je ne veux pas me trouver demain à être obligé de courber les chiffres devant quiconque par rapport à parapotage. Non, 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 I don't want it. I don't want it. I don't need it. No, no way. I don't need it. Je te dis ce qui est. Dans le respect pour certains et dans le manquement de respect. C'est même manquement de respect qu'on est fait. C'est bien sûr, on est né où? On sort d'où? Donc toi, tu vas m'amener manquement de respect et moi je vais t'amener comportement. Tu me manques de respect, tu manques de respect. Oui, j'ai fait aussi ça un peu, genre, quand tu comprends que, où manquer là, tout le monde peut manquer. Voilà. Et la malchance que vous avez, c'est que vous pouvez amener l'argent, tout ça. Donc maintenant, on vous répond gentiment et poliment, mais il y a une feuille de, il y a un money qui monte sur ça, pareil. Tu sais, c'est biscuit. Ma quoi a dit qu'elle était sale. Elle est en direct. Ma quoi le bien. Il dit ok. D'accord. Elle dit salut mon beau. Ma quoi. Elle a dit ok. Tu vas lui entendre sa voix. Tu l'appelles dans son téléphone. Là, tu vas l'entendre. Il ne parle pas dans les conneries comme ça. On cherche. Voilà. Déception. The nest. Yeah. Mon chéri. Il ne parle pas. Il ne va rien vous dire. Un cac. Vous allez que. Vous ne gérez pas. Vous avez mis dans une couta. Il a mis dans le cadre, il a mis l'eau chaude dedans. Il a allumé le feu en bas avec le piment sec. Il est là. Attends, il va mal. Mon nom dans vos bouches. Il ne vous gère pas. Il s'en fout, mais royalement de vous tous. Donc, c'est peine perdue. Hein. Vous asseoir sur moi, c'est. Perdez votre temps. Voilà. Je suis une femme terriblement mariée, terriblement en amour. Voilà. Je l'aime comme le premier jour. Il est une source de bénédiction pour ma vie. C'est un homme qui m'apaise. C'est la vérité. Il aime. I don't know. C'est Dieu qui mesure. I don't know. Donc, battez-vous. Changez vos façons de prier. Ne faites pas ramper les gars dans les maisons. Ils vous aident à rester sans vous épouser, Tintin. Ou que gars rampent depuis, à ramper depuis combien d'années? L'année de ramper, ça fait combien d'années? 7 ans? 6 ans, non. À ramper depuis 6 ans. À 7 ans. Depuis 7 ans. Père à ramper, ça fait 7 ou 8 ans. Rampage, là. Vous faites ramper les hommes, ben ils vous font aussi ramper. Hein. Il t'a fait ramper dans le aide-moi. Il t'a ramper depuis 7 ans. Faites ramper les hommes. Tu viens me dire que tu me conseilles. Qu'est-ce que je fais? Chez Maté, je pars chez Maté, Thérèse des USA. Je suis au Canada. Les USA, nous sommes l'Amérique du Nord. Je n'ai pas à là-bas qui était pris. Je n'ai pas à m'asseoir. Comme toi, tu ne peux pas t'asseoir chez Guillaume quand il m'insulte. Comme toi, tu ne peux pas t'asseoir chez Gomopson quand il m'insulte. Quand tu applaudis. Tu as pris le clash, hein? Ou tu connais le clash? Bravo. Moi, je pars chez Maté. Et ma soeur était sucre là-bas, propre. Sur mon mur, même peut-être, j'ai même plus le temps. Mais chez Maté, je verse ce qu'il doit verser pour toi. Mais pas chez les pleureuses de la porte. Je dépose là-bas, je quitte. Ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffera jamais. Parce que c'est comme ça que vous avez choisi que nous devons gérer la toile camerounaise. On va suivre la donne. On va suivre. C'est comme ça. Il faut seulement avancer. Vous avez dit qu'on doit. On va seulement faire ça. C'est comme ça. Ça ne chauffe pas. Ainsi va me taper. Voilà. Donc, on a cassé respecter. Voilà. On a cassé respecter. Tu me respectes, je te respecte. Ou manquant, reste moi, tu es au. Je te dis, c'est qui avait mis l'eau dans la main de coco. On va faire ça propre. Ça ne chauffe pas. Et puis, il ne faut pas prendre des prétextes. Parce que, justement, c'est ce que vous avez cru. Vous avez cru une bande de forcenés que, parce que tel et ceci, on va faire comme ça, et qu'on va faire, ça va donner ceci. Qui vous a dit que vous avez quel résultat? C'est que vous avez pris quelle unité de mesure pour mesurer le résultat et donner la synthèse? Puis, il n'y a pas agneau synthèse, puis il n'y a pas étude. Il n'est pas étudié de laboratoire, lui. Il est étudié, il va rechercher. Vous avez étudié ça comment? Pour décider que parce que tel et ceci, on va faire comme ça et ça va donner ceci. Par rapport à quoi? Est-ce que tout le monde, c'est une science infuse, tout le monde fonctionne comme ça? Tout le monde aboutit comme ça? Non, 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 non. Il y en a qui ont des éducations et des valeurs qui ne permettent pas d'arriver dans un certain nombre de choses. Voilà. Tu ne les comptes pas là-bas. Ça ne marche pas, ça ne rime pas avec eux. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, non, non, je c'est même pas la blague. Attendez, vous êtes sérieux là? Non, mais franchement. Non, mais allô, quoi. Mon chéri, vu qu'il a acheté des biscuits. Je vais pas aller voir. Attendez. Je vais voir. Mais c'est déjà que j'aime. J'aime souvent un peu de chat. Mais c'est déjà que j'aime.
je vais te faire. Est-ce que c'est assez bon? Let me test it. Give now. Let me test it. En France, c'est des mitilles. Des mitilles. Je ne sais pas si c'est bon, ça, une odeur. Il a pris plusieurs boîtes, ça veut dire qu'il est. Ça va, le calabar. Le calabar, le Coca-Cola. J'envoie l'enfant, va acheter un Coca-Cola, ramène le reste d'argent. Pas 2 euros, ramène le reste. Ça va, le calabar, c'est le biscuit. Le calabar, le Coca-Cola, le lang. Bon. Maintenant. Donc, alors, c'est pas mal. Moi, j'ai un dans le même style. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Et pas le même magasin. Je ne sais pas ma prix. Moi, c'est un maxi. C'est rond. Au milieu, il y a des fraises. C'est aussi bon. C'est vraiment bon celui-là. Chez le biscuit, il est bon. Hein? Blueberry. Comment faire un bleu? J'ai pas vu framboise. Je préfère framboise. Ah, je préfère faire attention. Blé, bon. On va plus avoir un croustillant, genre là. Merci le père. Bon. Donc, comme ça, tu dis que, avec le lait nido, le arrêt de l'acme Dieu. Que l'acme est Dieu. C'est ça, hein, comme ça. Vous n'êtes pas bien. Non, elle envoie acheter avec le lait nido, ma. Mais que pas 2 euros, avec le lait. Tu achètes normalement en palette, non? Vas-y, c'est bon. Biscuit blueberry. That's good. Daddy, bring it. I speak English. Papa, c'est bon. Comment je la prends parce que je chauffe? Oui, tu prends Fervex. Il y a Fervex dans la pharmacie. Peut-être que tu as pris la grippe. Tu sais que vous avez beaucoup... beaucoup crié, bu le champagne, c'est chaud, hein? Oui. Tu crois que c'est la grippe, chérie? Si, il faisait aussi froid et elles étaient habillées très stylées. Elles ont bu le champagne, sorti, monté, j'ai ça. Beaucoup bu. Ça, je ne me suis pas reposée. Ma gorge me fait mal. La nuit, j'avais chaud. Oui, tu as fait la fièvre. J'ai eu de fièvre que j'ai eue. Mais c'est chaud, c'est vrai. Tu prends comme ça, c'est 3 jours. Papa, dis quoi? Tu sais, il n'y a pas là en bas. Elle ne boit pas souvent. Elle a bu beaucoup de champagne. La couleur là, comme. Elle était contente pour son frère. Et cela. Si ça presse, tu vas en bas. Non, c'est pas parce que je veux. Ah, tu veux prendre faire avec ça. Tu fais un thé. Tu veux faire une boisson chaude, non? Tu as allumé la carafe? Non, mais je veux prendre aussi. Merci, maman. Moi aussi, je veux. Un bon thé là, un bon thé façon là. Je veux ça, bébé. Tu mets même le miel de Gaoundéré dedans. Le biscuit là est vraiment bon. You got another one too. It's like a creamery flavor. Yes, strong. I love. Quoi? Mon anglais. Quand il y a parlé l'anglais, c'est ça passe. Mais ça passe. Leslie Livna parle que l'anglais. Et moi, quand je viens d'aller parler, d'aller causer, là, c'est un genre, je vous jure. Elle se montre. Voilà, je commence même la phrase et je croyais qu'elle ayait mon biscuit. maman! Speak English. C'est bon. C'est bon. Très bon. Thé, citron, miel. C'est le miel de Gaoundéré là. Sur le citron. Bon thé là. Elle me théâtre.
Attends, humoriste. La paix est bien. Mais ça, on va en direct. Hein. Elle n'aime pas quand ça voit ça ici. Pardon. Tu n'étais pas déjà à commencer les divers. Par exemple, les divers pour moi. Mais, je suis encore en direct. Tu ne peux pas faire les divers. Même le père est parti à son salut comme ça. Je dis, t'attends le bien, elle dit bonjour à papa. Va, va, salut. Elle dit, non, pas ça. Ok. Non, pas de chat, non. Et que sa voix ne sort pas ici. C'est mon mari, mon combat. Mon mari, mon combat. Donc, alors, on va maintenant à la deuxième personne dont je parlais de Chin Chin pour dire que elle est qui pour me donner les conseils. Elle ne peut pas me donner les conseils parce que oui, sa yamseur, quelqu'un qui va faire la situation des yamseurs, pour faire simple, là, elle a lavé, séché, rincé sa mère, tout ce qui va avec. Dit sa mère, depuis sa mère qu'elle pleure tout le temps, quand elle se connaît, elle m'a dit que ma mère est morte. Oui, elle a lavé, séché, rincé sa mère et pense sur le lit d'hôpital de sa propre mère. Elle peut dire que, parce que la mienne sur le lit d'hôpital t'appelle où cadavre, lavé, séché, rincé, dit comment là, la massage, je ne sais pas quoi. Elles sont les yamseurs, non. Elles n'ont pas fait la paix. Moi, elle me conseiller que mon mari, que je suis une femme terrible, mon mari était insulté par où c'est Thérèse, c'est qui, et que comment je vais parler. Mais tu es malade. C'est, toi-même, tu t'es pas assise sur mon mari pour insulter. Si toi, ta tante d'abord, moi, c'est pas elle qui a ouvert le bal pour raconter des histoires sur mon cher étant d'époux avec une certaine femme, les jumeaux, les guingueros, et tout ça mélangé. C'est pas ta tante comme là. On est où avec aujourd'hui? Je suis pas toujours terrible, mon mari. Donc, je vais venir maintenant parce que ma télé va faire le direct. On a été lavé, c'est bon à moi, elle veut pas la manger parce qu'elle m'avait insulté par moi, quoi. Si c'est comme vous avez fait, nous devons forcément suivre la tendance. C'est comme ça. C'est comment ça est. C'est comment ça est même. C'est comment ça est. Voilà. C'est comment on fait ça. On a fait comme ça. Vous avez compris, non? Il fait. Oh, femme terrible, ma mari, normalement. Toi, tu étais dans l'aide de moi avec ce tu as fait ramper le gars. Le gars a pu se tenir, mais il a été là ramper 7 ans. Il n'avait jamais de visibilité. Et tous les soirs, il est là, il s'engage. Vendredi soir, vous êtes allé sur le couple. Ils prennent leur drink, ils ne sont pas avec les gens, les deux places. Dans, ils sont sapés comme des dieux. Sapés comme jamais. Bien là chez eux, là, ils boivent après. Ils restent 1h, 45 minutes avec leur femme, après ils parlent. Voilà le blog. On va dire qu'ils quittent. On va dire qu'ils ferment. Ils ferment quoi? Ils sont abonnés. Moi, je suis abonné là-bas. Ces abonnés arrivent comme ça. Il n'est pas en train de parler de toi. Hein. Il m'ouvre sur les dames, ça y est, on dit, on se met, on regarde. C'est bon à nous. Enfin, ça parle de blog. Ils ont un blog. Et ça va aller loin. Il me dit que tu t'arrêtes à ça, tu t'es tellement lent. Ah, les gens comme ça qui me poussent à pécher, je cherche à enlever certains mots dans mon vocabulaire, mais ça va être compliqué. Il lent. Depuis que je connais, ça fait une heure, je ne sais pas parler. Il lent. Tiens, il lent. Linda, il lent. Comme pion, il lent. Je vais vous mettre l'audio de mon pion. Tu vas entendre. Bon, mon gros. Comme pion, c'est ton audio ici. Je suis resté ici, moi, ma chaude. On m'envoie le Dieu. Je vais chercher le Dieu. C'est bonjour. C'est moi, Gisèle. Je te laisse ce message-ci pour que tu dis à Pascaline. Je dis bien Pascaline. Qu'elle laisse mon nom tranquille. Si elle a les problèmes avec Yaya. Les problèmes de concurrence qu'elles sont en train de faire. Quels sont les problèmes de concurrence tranquillement? Tu as construit la maison, tu n'as pas construit la maison. Montre-moi les papiers que, de ta maison. Montre-moi la fondation. Si elle passe toute sa vie à faire la concurrence, elle appelle mon nom. Elle dit à Yaya comment moi j'ai le VIH. Est-ce que toi, sister Pascaline, t'a dit qu'elle a le VIH depuis qu'elle est au Cameroun? Pascaline t'a déjà dit le nombre des hommes qu'elle a contaminé le sida au Cameroun? Elle a contaminé un gars bamilé qu'on appelle Alain. Elle a contaminé un gars balé qui est mère. Elle a contaminé le monsieur qu'elle dit que c'est le père de Dylan. Elle a contaminé sans parler des autres. Elle t'a parlé de sa vie du Cameroun. Comment elle faisait que son corps que du sasanier. Elle t'a dit que quand elle entre dans une maison, elle couche avec tous les hommes, même si vous êtes à 10. Elle couche avec tous ces 10 hommes-là. Elle t'a déjà dit ça. Elle parle de moi. Elle qui a eu à coucher avec mes trois cousins, le grand frère, l'aîné, le deuxième et le troisième. Le deuxième qu'elle a couché avec elle ici en France. Le troisième, il est à Londres.
le premier grand faillite au Cameroun. Elle t'a déjà parlé de sa sale vie. Comment elle s'est livrée? Comment elle couchait avec les copains de ses amis? Tout, tout, tout. Elle ne disait jamais non au talon. Elle t'a dit ça. Je suis arrivée ici, j'ai pris sa carte vitale, je suis partie à l'hôpital avec. Directement, on tape la machine comme ça, on me dit que j'ai le VIH. J'ai dit, hi. On m'amène dans un compte là-bas à l'hôpital. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Elle me dit que je ne dis rien, je reste tranquille, que je ne dis rien, je reste tranquille. Honoré va venir me chercher. Tôt le matin, elle arrive, Honoré est venu me chercher. Elle me dit de ne rien dire à Honoré. J'ai fermé ma bouche jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fermé ma bouche. Je n'avais jamais dit à Honoré que, parce qu'on a vu dans sa carte vitale qu'elle avait le VIH. Si elle a changé sa statut de document, c'est parce qu'elle a accouché au Dylan. C'est un Français qui a reconnu Dylan. Qu'elle laisse mon nom tranquille. Qu'elle arrange ses affaires avec Yaya. Parce que moi, je vais la faire du sale. Elle t'a dit qu'elle a contaminé Alex. Est-ce qu'elle t'a dit qu'Alex a le VIH? Que c'est elle qui a contaminé Alex. Alex a contaminé une autre fille là qu'on appelle Sylvie. La fille est décédée. Elle t'a dit ça? Elle t'a dit qu'elle a contaminé Honoré. C'est parce qu'Aline ne veut pas avoir la honte de sa vie. Qu'elle continue à appeler mon nom. C'est elle qui est Stan Brakata. Moi, je ne suis pas Stan Brakata. Je n'ai rien à perdre. Elle continue à appeler mon nom. Le Cameroun, toute sa belle famille va entendre l'histoire de sa vie. Ici, en France, on va entendre l'histoire de sa vie. Et même si elle ne fait même pas attention, on va venir là-bas à Coq, on fait semblant de boire. On sabote son nom là-bas chez tous les clients. Tous ses copines de réunion. Elle dit à Yaya que Yaya est vendeuse de piment. Elle-même n'est pas vendeuse de piment. Quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Le camion qu'elle conduisait, qu'est-ce qu'elle faisait dans le camion? Elle ne vendait pas le piment. Combien des hommes qu'elle a contaminés? Combien? Elle me fait, mais je vais même dire à Mbappa comment elle a le sida. Et avec son sida là, l'enfant de Mbappa qu'elle garde chez elle mange la nourriture dans sa bouche, elle mâche la viande, elle enlève ça dans sa bouche, elle donne ça à l'enfant de Mbappa pour contaminer cette petite fille-là. Dis à Pascaline de faire attention avec moi. Fais attention, je vais la faire du sale. Elle-même, elle ne va jamais oublier. Ce qu'on va la faire cette fois-ci, c'est qu'on va la faire cette fois-ci. Ah, ça, c'est l'avant-goût, hein. Mm-hmm. C'est l'avant-goût que je donne comme ça. Mm-hmm. Ah oui. Comment c'est ça? L'avant-goût. Qu'elle continue à distribuer son sida partout. Qu'elle arrête d'appeler le nom des gens. Quelqu'un qui a le sida depuis plus de 25 ans aujourd'hui, elle vient appeler le nom des gens. Elle vient appeler le nom des gens. Partout, on parle d'un dit, oh, la fille a fait gaffe avec son sida. La fille a fait gaffe avec son sida parce qu'elle a la bouche pour parler. Moi, je ne suis pas elle qui est partie doter l'homme à 50 000 francs au Cameroun. Et puis après, la dotée demande qu'on lui remet les 50 000 francs. Qu'elle fait attention, c'est chercher le mariage avec les yeux partout pour avoir un homme. Parce que si tu la laisses aujourd'hui, même la location, elle ne pourra pas payer. C'est la fin. C'est sa fin là-bas. Ok. Si elle veut plus encore, elle va entendre. Elle va entendre dans ma bouche. Partout, je vais entendre. Dis-là que partout où on me dit seulement Pascaline, je donne seulement ses dossiers. Partout, on dit Pascaline, je donne le dossier. Moi-même, je reste comme ça. Je prends mon téléphone, j'appelle les gens, je commence à donner. Les gens ouvrent la bouche. Ouais. Demande à qui porter les habits de qui au Cameroun. Elle pouvait aller chez nos cailloux pour de l'habit. Ce sont les habits qu'elle portait. Même la carte d'identité, même elle était incapable. Parce qu'on l'a couché un don. Tu passes Pascaline pas seulement en route comme ça. Tu l'appelles dès qu'elle entre dans ta chambre. Elle peut facilement faire une semaine là-bas chez toi. Elle peut facilement faire une semaine chez toi. Pourquoi tu la couches seulement, tu la donnes à manger. Elle quitte encore, elle sort, elle trouve encore l'autre comme ça. Parce qu'elle veut parler aujourd'hui. Moi, j'ai joué ce genre de vie. Ma famille connaissait les gens avec qui je vivais. Elle-même, Pascaline, connaissait là où je vivais. Elle connaissait mes gars avec qui je sortais. Quand elle venait chez nous, me cherchait, ne me voit pas. Elle connaît chez quel copain que je suis. Elle vient là-bas, elle me trouve. Elle, on pouvait la trouver quelque part. On ne savait pas où elle était. Il faudrait que les autostops pour aller à Limbé. Et nous tous, on connaît comment les autostops se passent. Tu fais les autostops, comment on va te coucher en route? On va te coucher dans la voiture. C'est ça sa vie. Parce qu'elle veut que je parle. Je veux sortir sa vie sale. Je veux sortir sa vie sale. Puis, comme elle pense qu'elle sait parler, je vais leur prouver que moi aussi, je suis déjà dans le système. Ok. Mais, ça là,
C'est une copine d'un gomopion. De Paris. Sa copine là, elle garde l'enfant de Gomopion. La petite fille de Gomopion. Gomopion ne peut pas garder l'enfant. Gomopion donne l'enfant chez elle. Elle a les 4 lettres depuis 26 ans ou 25 ans qu'on a entendu là. Et quand elle veut donner la nourriture à la petite fille, Bombo Mami, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Bombo Mami. On mâche. Elle mâche. Elle met dans sa bouche. Elle la contamine des 4 lettres. C'est ça, la partie de Gomopion. Entre eux et les pimentières, donc les copines. Elle donne l'enfant là-bas parce qu'elle ne peut pas. Elle doit travailler. C'est comme ça que je reste souvent à Paris. Il faut dire que je suis la tour de contrôle, donc je reste les choses me trouvent. C'est comme ça. Ça, c'est la partie de Gomopion qui m'intéresse. Parce que pour Pascaline, c'est Pascaline, c'est Pascaline. Oui, c'est Pascaline. Elle, je la connais. Mais je n'entre pas dans ces choses. Qu'elle geste avec sa copine là. Mais la partie de Gomopion. Où tu as mis Bobo Mami? Bobo Mami, on a entendu lui donner.